mercy. You that will think that way. Quand Dieu te pardonne. May the Lord have mercy on you. Il va te frapper. If not, God will smite you. Ils vont dire. They will say. On lui a donné de l'argent. They give him money. C'est pourquoi il vient pour dire cette bêtise là. That is why he has come to say, oh, this manner of nonsense. Si ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. If it's not God that revealed to me. Je ne peux pas dire ça. I cannot say it. Mais comme c'est Dieu qui m'a révélé. As God is the one that revealed. Je vais dire. I will say it. Je vais dire ça. I will say it. Alléluia. Praise God. Praise the Lord. Alléluia. J'ai vu dans une grande réunion. I saw in a very big meeting. Dans une grande résidence. In a very big meeting. Et de dans la résidence, c'est dans une résidence présidentielle. It's like it's a presidential area. Alléluia. Et il y avait le conseil, la conférence des ministres. Conférence des ministres. So it's like a ministers conference. Et j'ai vu les députés. And I saw the deputies. Le président. The president. Les soldats. The sergeants. Plein de gens. A lot of people. Dans l'immeuble. In the building. Qu'est-ce que je voyais? What am I saying? Je voyais aussi l'apôtre Gabriel. I saw also Apôtre Gabriel. Dans l'assemblée. In the full in the congregation. Et je vois aussi Joseph Isaac. And I saw Joseph Isaac. J'ai vu aussi le frère Nathan. I saw also brother Nathan. That is Nathan. Voilà. Et dans la salle. In the hall. Je vois aussi les enfants du Père des Nations. And I saw the children of the Father of all nations. On était plein dans la salle. We were so many in the hall. La révélation. In the revelation. Il y a des choses. There are things. Que Dieu révèle. That God will reveal. À qui veut. Unto whom he pleases. Dieu révèle ce qu'il veut à celui qui veut. God will reveal things that he wants unto whom he pleases. Et dans le rêve. And in the dream. C'est comme fort en train de donner le rapport de ce qu'il a fait au cours de son mandat. It's like President Ford was taken, maybe was doing, how we call it, the total summary of the things that he have done, the report of his ruling all this year unto. Hallelujah! Il fait le rapport. He is giving all the report. Avec les ministres. With all the ministers. Les députés. The deputy ministers. Tout ce qu'il a fait dans le pays. All the things he have done in the country. Et quand Ford fait un trait vers le haut. When he draw up a line up. Apôtre Gabriel, lui, il fait le trait en bas. Apôtre Gabriel, do bring the line downward. Il dit que non, c'est pas ça. And so, no, this is not quand how it works. Quand trace. When he throw up. Il remet le trait en bas. He do bring it down. Les gens étaient étonnés. People were astonished. Lui, là, il vient d'où? Where this person is coming from where? Qui le connaissait dans le pays? Who know him in this country? Quel est ce gars-là? Who is this kind of person? Pourquoi il s'opposait à ce que Ford disait? Why is he opposing upon what the thing Ford is doing? Ça veut dire quoi? Why? What the meaning of this? Je suis pas là pour parler mal du fort. I'm not here to speak against Ford. Mais ce que Dieu m'a révélé, que je dis. This is what I see in a dream. Et j'ai pas peur de personne. And I'm not afraid of anyone. Ford peut m'appeler. He can call me. Je peux lui dire exactement ce que j'ai vu. I can tell him it's a dream, what I've seen in my dream. C'est Dieu qui m'a révélé. It's God that revealed this into me in my dream. Jésus a dit. Jesus said. Ce que je vous ai dit en secret. What I spoke unto you in secret place. Ce que je vous ai dit dans la nuit. What I spoke to you in the night. Dites-le en plein jour. Say it in the daily, in the broad daylight. Sur les toits. On the top of the building. Pour que les gens sachent. That people should know. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. That is why I'm here today. Pour témoigner ce que j'ai vu. To testify what I've seen. Et les gens disaient. And people were saying. Apôtre Gabriel. Apôtre Gabriel. C'est qui ça? Who is that person? Et sort d'où? Where is he coming from? Qui le connaît? Who knows him? Et il y a la confusion. And in the hall, there's confusion. Parce qu'il s'opposait toujours à ce que Ford disait. Because everything that Ford said, he Apôtre Gabriel do oppose it. Les gens ne comprenaient rien. People were not understanding anything. Maintenant. Now. Papa, le père des nations m'a dit. The father of all nations said. Apôtre Gabriel m'a dit. Apôtre Gabriel said. Frère Daniel. Brother Daniel. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Dis-leur. Say to them. Dis-leur. Say it unto c'est them. Je suis. Who I am. Et je me suis levé. And I just wake up. Je me suis levé. And I woke up. Je me suis levé. And I woke up. Et du coup. And all of a sudden. J'ai vu fort. Fort. I saw fort. Le président. The president. Et le père des nations. And the father of all nations. Les deux aussi
se sont levés. And the father of all nations and apostles, they all stood up. Et c'est comme dans le rêve. It's like in a dream. On me disait que they were saying to me that de faire le choix entre eux. To choose between the two of them. Qui sera président? Who will be the president? Et la voix me venait. And the voice is coming to me. Et je disais. And I said. Que avant d'être président. Before I be president. Il faut remplir cet critère d'abord. There are certain things that I'm supposed to fit. There are certain things I'm supposed to mark. Il y a des qualités qu'on doit trouver dans la vie du président. There are certain qualities that must be seen or noticed in the life of a president. Et j'ai commencé par citer les qualités. And I start calling all the things that are supposed to be the qualities that a president must have. Et je disais que. And I said that. D'abord. Firstly. Avant d'être un président. Before you be a president. Tu dois être né de nouveau. You need to be born again. C'est-à-dire donner ta vie à Jésus-Christ. That means give your life to Christ. Deux. Secondly. Tu dois avoir la crainte de Dieu. You need to have the fear of the Lord. Pour être président d'abord. For you to be a president. Tu dois être quelqu'un qui craint Dieu. You must be someone that fear God. Troisième critère. The third. Tu dois faire la volonté de Dieu. You need to do the will of God. Donc, numéro un, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Number one, you need to give your life to Christ. Numéro deux. Number two. Tu dois avoir la crainte de Dieu. You need to have the fear of the numéro Lord. Numéro trois. Number three. Tu dois faire la volonté de Dieu. You need to do the will of God. Et le dernier. And the last one. Tu dois être rempli par la sagesse de Dieu. You need to be filled up with the wisdom of God. Maintenant, quand j'ai donné ces quatre critères. When I give all these four points. Alors. Then. Je me suis dit. And I said. Le choix est clair. The choice is clear. Le choix est clair. The choice is now clear. Pourquoi? Why? Parce que je sais que. Because I knew that. Le président fort. The president fort. N'a pas Jésus. Does not have Jesus. Voilà. Point numéro deux. The second point. Il ne craint pas Dieu. He doesn't fear God. Fort ne craint pas Dieu. Fort do not fear God. Numéro 3. Number 3. Fort ne fait pas la volonté de Dieu. He's not doing the will of God. Il fait sa volonté. He's doing his own will. Il fait la volonté de ceux qui l'entourent. He's doing the will of the people that surround him. Et il propose des choses. And he's proposing certain things to him. Et c'est ce qu'il fait. And that is what he does. Et le numéro 4. And the number 4. Fort n'a pas la sagesse de Dieu. And this man do not have the wisdom of God. Et donc, that is why. Par l'autorité qui m'a été donnée. By the authority that was given to me. Comment conféré. That they confined unto me. Alors. Then. Je proclame. I proclaim. Je proclame. I proclaim. Comme président. As president. Son excellence. His excellency. L'apôtre. Apôtre. Kokou. Kokou. Duflé. Duflé. Gabriel. Gabriel. Le père des nations. The father of all nations. Viens voir la salle. Come and see the whole hall. Et il y a dans la salle la il y a déjà une confusion totale. There is a total confusion. Il y a un bouleversement. There's a total confusion that took place. Dans la salle. In the world. Les gens disaient non. People say no. Les ministres disaient non. The minister said no. Les députés disaient non. The deputy minister no. said no. No. Il vient d'où? Where is he coming on from? On ne le connaît pas. We don't know him. Il sort d'où? Where did he come out from? Ils s'opposaient à cela. And they were opposing this. Et voilà. And saying. J'ai vu dans le rêve. I saw in the dream. On a traîné fort, on a fait sortir fort dans la salle. And fort was taken out of the hall. On l'a renvoyé dans la salle. Renvoyé dans la salle. They sacked him out of the hall. On l'a traîné. On l'a traîné. They drove him out of the hall. They cast him out. Les ministres. The ministers. On les a battus. They cast them out. On les a traités dehors. As for them to draw them on the ground to pull them out. Les députés. The deputy minister. They pulled them out. On les a chassés. All of them, they cast them les out. Les soldats. The soldiers. On les a renvoyés. They sacked them, all of them. C'est les enfants du père de la nation qui les a battus. So it's the children of the father of all nations that have casted them out of that way. Et viens voir. And come and see. Dans la salle. In the hall. Les enfants du père des nations. The children of the father of all nations. Qui venaient de part dans le monde. That are coming from all over every part of the world. Ils ont installé leur bagage dans l'immeuble. And they have installed up their how do you call it? Their baggages or their luggages
all over the place. Et on a occupé toute la salle. And they occupied all the hall. Toutes les chambres. Every room. Les gens étaient contents. And people were so happy. On était contents. We were so joyful. On chantait. And we're singing. He's going to change his dress and come back later on. When he has gone away, and then I woke up suddenly. My friend, my brother, ce que Dieu a signé là, what God signed, ce que Dieu a dit, what God said, il va le faire. He's going to do it. Tu vas le voir, c'est compris. You see it happening. Il n'est pas un Dieu qui ment. It's not a God alive. Il ne ment pas. He doesn't lie. Il a l'autorité. He have authority. Quand il a dit des choses, il va le faire. He's gonna do it. Personne ne peut le dire. Nobody can. Dieu, qu'est-ce que tu fais ça? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, God, what are you doing? Personne. Nobody can say that. Quel homme? What manner of man peut s'opposer à Dieu? Can be able to oppose God. Donc vous qui ne croyez pas cela, you that do not believe in this thing, bientôt vous allez voir. Very soon you are going to see. Vous allez voir. You are going to see. Dans ce pays. In this country. Ce que Dieu a fait dans ce pays. Is going to do in this country. Il est important. It's very important. Il est important. It's very important. Donc tu vous encourages. That's why I'm encouraging toi, you. Tu es encore à l'étranger. You that is once again in the other side of the country. And you are listening to these testimonies. Presse les pas. Presse les pas. Hurry up. Rentre. And come quickly. Rentre vite. Come quickly. Si ton temps est arrivé, if no matter time tu ne peux revenir. You can't come anymore. Ce que Dieu a dit, what God said, il va le faire. He's gonna do it. Ce pays-là, this country, appartient à Dieu. Belongs to God. C'est Dieu qui va le délivrer. It's God that's going to deliver it. Personne ne peut le faire. Nobody can do it. Personne ne peut le faire. Nobody can do it. Mais c'est sa main puissante. That is His powerful hand. Qui va agir. That is going to manifest. Alléluia. Praise God. Donc j'ai pas peur. That's why I'm not afraid. Pas peur. I'm not afraid. J'ai pas peur. I'm not afraid. Parce que c'est Dieu qui m'a révélé. Because if God has revealed this kind of thing to me. Quand Dieu a révélé, when God revealed, if the ticker de 10
dire aux gens. That me is telling me to tell people. Pour voir ce que Dieu veut faire. To see what really is going to do. Alléluia. Praise God. Voilà ce que Dieu m'a révélé. That is what God revealed unto me. Dieu m'a deuxième révélation ça. That is my second revelation. Donc je loue Dieu. Then I praise God. Pour ce qu'il fait. For the thing that he has done to me. Et donc vous qui écoutez les gens. You that are listening to people. Attention. Be very careful. Faites attention. Be very very careful. On ne joue pas avec Dieu. You don't play with God. Dieu est Dieu. God is God. Dieu est Dieu. God is God. Dieu est Dieu. I said God is God. Alléluia. Praise God. Je vais dire à mes pasteurs. I wanted to speak to my pastors. Et mes frères dirigeants. And my friends that are leaders. Les leaders. The leaders. De Deep Alive. Of Deep Alive. De faire doucement. To be very careful. De faire doucement. To be patient. Ils pensent que they think that si tu n'es pas dans Deep Alive, if you are not in Deep Alive, alors tu n'es rien. That's why you are nothing. C'est faux. It's a lie. Non. No. Il y a des gens. There are people. Et ils sont cachés. They are hidden. Ils sont cachés. They are hidden. Ils sont cachés. They are hidden. Non. Faites doucement. That goes to laissez-vous à Dieu de vous révéler des choses. Lift up yourself to God to reveal to Dieu you. Dieu a les secrets. God has secrets. Dieu a les secrets. Les secrets sont avec Dieu. The secrets are with God. Sinon, if not, ils vont regretter amèrement. They will regret seriously. Amèrement. They will regret seriously. Et ils vont regretter que Dieu a envoyé quelqu'un. And they will regret that God sent someone. Pour leur ouvrir les yeux. To open up the eyes. Et ils ont rejeté cela. And they rejected that. Mais je prie Dieu. But I pray God. Que Dieu les accorde la grâce. That may God give them grace. Jean 12. John chapter 12. Verset 48. Verse 48. Alléluia. Il dit. Celui qui me rejette. Et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. And he said, he that rejected me and received not my word has one that judge him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Alleluia. Praise God. Ils se croient. They believe. Au-dessus de la parole de Dieu. That they are beyond no. The word of God. No. J'étais aussi dedans. I was also once. Quand j'étais en Deep Alive. When I was in Deep Alive. On se glorifiait. We have been glorified. Oh, c'est vous. And we are the one. Quand je prêche. When I'm preaching. Pour les jeunes. For the youth. Les jeunes rient seulement. The youth have been laughing. Non, toi tu es fort. Oh, but as for you are powerful. Non, tu connais. Oh, you know. Mais en réalité, but in truly, reality, je ne connais rien. I have not known anything. Ça, c'est l'orgueil, ça. That is pride. Praise the Lord. Hallelujah. L'orgueil. That is pride. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Nobody know. Jamais. The mind of God. Jamais. Never. Jamais. Never. Personne. No one in this earth ne peut connaître la volonté parfaite de Dieu. Could know the word of God, the mind or the mindset of God. Vous faites show. You are just bragging. Pour aller où? What are you bragging to? Avec le peu de choses que vous connaissez. With the small thing that you don't know. Avec le peu que vous connaissez. With the small thing that you don't know. Et on fait show de ça. And you are bragging about that. On pense qu'on connaît. And you think you know. Non, on ne connaît rien. But you don't know anything. Praise the Lord. Hallelujah. Moi aussi je faisais ça avant, mais Dieu m'a fait grâce. But as for me too, I was once in that, but God has given me grace. Dieu m'a ouvert les yeux. God opened my eyes. Aujourd'hui. Today. I'm no more doing that. Je me rabaisse. I bring myself je me rabaisse. I bring myself c'est pourquoi tu me parles. C'est pourquoi tu me parles. That's why God is speaking to me. Tu me montres beaucoup de choses. That's why God is showing me a lot of things. Alléluia. Praise God. Dieu fait grâce à ce qu'il veut. God do give grace unto whom he wants to give grace. Il fait grâce à ce qu'il veut. Il fait grâce à ce qu'il veut. He brought grace unto whom he wants to. Exode 33. In the book of Exodus chapter 33. Exode 33. Exodus 33. Verset 19. 19. Exodus 33 verse 19. Alléluia. Let's go. Il dit. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. J'ai miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy unto whom I will show mercy. Oui. Il fait grâce à ce qu'il veut. He do grâce unto whom he do grâce.
Dieu est au ciel. God is in heaven. Il fait ce qu'il veut. He does what pleases him. Il peut choisir un pécheur pour boudre la parole. He can choose a sinner to give his word to you. Il peut choisir un fou pour boudre la parole. He can choose a madman to give his word to you. Attention. Be very careful. Attention. Be very careful. Alléluia. Praise God. Donc il y a des choses que tu ne connais pas, chrétien. There are certain things you don't know as a Christian. Mais tu vas demander la face de Dieu, Seigneur. Montre-moi les choses cachées. You need to seek the face of God and say, Father, show me the hidden things. Et il y a plein de choses qui sont cachées à nous, les chrétiens. And there are a lot of things that are hidden for us, Christians. Et c'est Dieu seul qui peut te révéler cela. And it's only God that can reveal that to you. Donc, en tant que chrétien. Then, as a Christian. On doit être humble. We need to be humble. Et cherchant la face de Dieu. And we need to seek the face of God. On ne doit pas se glorifier de ce que nous connaissons avant. We don't just need to boast and glorify ourselves in what we know before. Parce que nous ne connaissons rien. Because we don't know anything. Alléluia. Praise God. Donc si quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est que la personne est perdue. If somebody lives deeper life, then it's like the person is lost. C'est une grande erreur. It's a big error or it's a big mistake. C'est grave. Is very dangerous. Je vous pose cette question. I want to ask you this question. Bon, Kumuyi était dans quelle église avant? Kumuyi was in which church before? Kumuyi n'était pas dans Deeper Life. Kumuyi was not in Deeper Life. Il était dans une église. He was in a church before. Kumuyi pensait que là où il était, il y a de la vérité, c'est vrai. Kumuyi at that season thought that the church in which he were was having the total truth. Mais aujourd'hui, but today, il a découvert que he discovered that là où il était, where he was, il n'y a pas la vérité totale. There was no total truth. Et Dieu l'a dirigé. And God leaded him. Et aujourd'hui, and today, nous avons deeper life. We have deeper life. Alléluia. Praise God. Et si aujourd'hui, if today, Dieu continue pas montrer les choses aux gens, and if God today continues showing things to people, si aujourd'hui. If today Dieu nous dirige et il nous révèle encore les choses, God is leading us and he's revealing things to us. On va dire que comme je suis dans deeper life, je ne peux pas sortir. And you say, as I'm in deeper life, I'm no more, I can't go out anymore. No. 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 La lettre tue. The letter killeth. Mais c'est l'esprit qui vivifie. But it's the spirit that giveth life. Alléluia. Praise God. Les pasteurs ont prêché contre moi. Ils ont dit des bêtises contre moi. Pastors have preached against me. They've said many kind of nonsense against me. Quand je me suis retrouvé. That as for me, I'm backslided. Ils m'ont salé partout. And they tarnished my image wherever places. Et ils ont semé la haine dans la vie de des membres. And they planted hatred in the life of the members. Et ceux-là avec qui j'allais les frères, ils m'ont rejeté. And the people that were my brothers and my sisters, they too, they rejected me because of that. Mais je me réjouis. But I'm rejoicing. Alléluia. Praise God. Si nous voyons 1 Timothée 3. When we see the Bible, 1 Timothy chapter 3. 1 Timothée 1 Timothy chapter 3. Alléluia. Praise God. Verset 12. 1 Timothy chapter 3, verses number 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. And it said, people that want to live godly life will be persecuted. 2 Timothée, s'il vous plaît, 2 Timothée 3. It's rather 2 Timothy, please. It's rather 2 Timothy, as he's saying, that yet all that and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Alléluia. 2 Timothy, sorry, God bless you. Oui, aujourd'hui. Today, j'ai découvert la vérité. I discovered the truth. Et je vais marcher sur cette vérité. And I walk on that truth. Et les gens me persécutent. And as I'm walking on that truth, people started rising against me. J'accepte tout cela. I'm accepting all this kind of thing. Parce que c'est biblique. Because it's biblical. Je rends grâce à Dieu. I'm giving glory to God. Pour toutes ces choses. For all this kind of thing that he's doing for me. Praise the Lord. Hallelujah. Et vous dites que. And you are saying. Si je quitte deeper life, je vais aller en enfer. If I live deeper life, I'll go to hell. Qui vous a dit ça? Who said that to you? Abomination. It's an abomination. C'est grave. It's very dangerous. Repentez-vous. Repent. Et ayez de l'amour. And have love. Pour les frères. For brothers.
Jésus est venu pour aider les brebis. God has come. Jesus has come to help the sheep. Pour les sauver. To save them. Et non pour les diffamer. And not to tarnish them. Et non pour les salir, pas tuer là. And not to dirty up their name or cast them away. No. Alléluia. Praise God. Lisez la Bible. Read Bible. Et comprenez l'Écriture. And understand the scriptures. Esaïe 2. Isaiah chapter 2. Esaïe 2 verset 2 à 3. Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. La Bible est profonde. Bible is very deep. Alléluia. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle sera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette prophétie, this prophecy, a été donnée depuis longtemps. Was given longest time ago. Il arrivera un temps. That there is a time that is going to come. Il arrivera un temps. There's a time that will come. Toutes les nations, all nations, seront rassemblées quelque part. They will be assembled or gathered somewhere. Ils vont se rendre en foule. And they'll be there in numerous number. Cela c'est une prophétie. That was a prophecy. Aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie. Today, this prophecy is coming to pass. Est-ce que vous savez, d'où savez où les peuples seront rendus? Do you know where these people, this nation shall be gathered? Vous savez ça? Do you know? Vous ne savez pas? You don't know. Vous n'êtes même pas informé. They have not even informed you. Vous ne voulez même pas écouter ce qu'on dit. And you don't want to even listen to the thing that they are saying. Alléluia. Praise God. Aujourd'hui, today, Dieu a choisi son loin. Today, God has chosen his anointed. Celui que vous avez rejeté. The person by which people rejected. L'apôtre du frère Gabriel. Apôtre du frère Gabriel. Et cette montagne, la montagne, c'est au Togo. And this mountain that the Bible is talking about is in Togo. Alléluia. Praise God. Et si vous voyez ce qui se passe à Mena actuellement au Togo. And when you see what is happening right now in Togo. Vous serez étonné. You'll be surprised. Soyez informé. You'll be surprised. Si vous voyez comment les gens se rendent au Togo, vous allez être... Vous serez étonné. When you see the way people are coming down from other nations to Togo, you'll be surprised. Les étrangers, les gens viennent de l'Europe. People from outside, people coming from Europe, America, les États-Unis, partout, from Canada, everywhere, Canada, les pays africains, partout, and from other African countries. Ils viennent, and they are coming. Le plan de Dieu sera accompli. That the word of God will be accomplished. Alléluia. Praise God. Dieu ne change pas. God do not change. Sa parole ne change pas. His word do not change. Ce qu'il a dit, il va le faire. What he said, that's what he will do. Le Togo. Togo. C'est l'arche de Noé aujourd'hui. Is the ark of Noah today. Mais vous ne croyez pas. But you do not believe. Si vous étiez au temps de Noé. If you were in the time of Noah. Quand Noé était averti par Dieu. When God spoke unto Noah. Noé n'a jamais vu Dieu. Noah has never seen God face to face. Jamais. Never. Mais la Bible dit que. The Bible says. Noé a été divinement averti. This man divinely have heard the voice of God. Par Dieu. By God. Mais. But. Il a gardé la prophétie. Jalousement. He kept the prophecy. He kept the word of God. Jalousement. He kept that one with all passion. Et Dieu l'a dit. And God said unto him. De construire une arche. For him to build up an ark. Et c'est dans cette arche là que tout sera sauvé. And it's in that ark that everyone will be saved. Noé disait aux gens. Noé was telling people. Les gens ne le croyaient pas. People were not believing. Mais cela ne l'a pas découragé. But that did not discourage him. Jamais. Never.
C'est Dieu qui dit le dernier mot. God is the one that have the last word. Il a fait ça en 20 ans avant que cela ne soit accompli. He have ministered to them 120 years before this thing come to pass. Il n'est pas découragé. Noah was not discouraged. Apôtre Gabriel. Dieu l'appelle depuis, ça fait cela 8 ans. God called him 8 years now. Depuis 2011. From the year 2011. Il dit aux gens. He's talking to people. Mais les gens ne croyaient pas. But people were not believing. Les pasteurs se moquent de lui. Pastors were mocking at him. Ils ont tous le cœur des fidèles. Ils ont tous le cœur des fidèles. Pastors are hardening up the heart of their members. C'est menteur. Oh, that person is a liar. Yes, il est faux. Oh, that person is fake. Ne le croyez pas. Don't believe that man. Mais ce que Dieu a dit. But what God says. Ça s'accomplit. It will come to pass. C'est Dieu qui est le dernier mot. God is the one that have the last word. Ton pasteur n'est pas le dernier mot. Your pastor is not the one that have the last word. Frère-le. Hallelujah. Mon frère. My brother, fais attention. Be very careful. Tu vas perdre ta vie. You will lose your life. Tu vas perdre ta vie pour rien. You will lose your life for nothing. Prie le Seigneur Jésus. Prie Dieu. Pray to God. Demande-lui. Ask him. Jésus. Jesus. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Jésus. Jesus. Dirige-moi. Order my step. Pour voir la vérité. To see the truth. Il va t'aider. He will help you. Ézéchiel 17. Ézéchiel chapter 17. Ézéchiel 17. Ézéchiel 17 verset 22 à 24. Ézéchiel chapter 17. 22 à 24. From verse 22. Alléluia. To 24. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs seront comme moi, l'Éternel. J'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sèche. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alléluia. Amen. Dieu a parlé, il va agir. God spoke it and it shall come to pass. Dieu dit, il va baisser l'arbre qui s'élevait. Bible says, God said he's going to bring down the trees that lifted up themselves. Mais il va élever l'arbre qui s'est abaissé. And he's going to bring up the tree that was down. Tous ces pasteurs. All those pasteurs. Qui se levaient. That are rising up. Ils disaient que c'est eux. And they say, oh, we are the one. Il y a personne. Oh, apart from us, there's no one. Dieu dit, il va les rabaisser. God said he's going to bring them low. Il va élever celui que Dieu a choisi. And he's going to lift up the one that he himself have chosen. Alléluia. Praise God. C'est important. It's very important. Dieu lui a dit. God said. C'est Dieu qui a dit. It's God that spoke. Il va le faire. And God will make il it come to pass. Pour mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir. He's not a God that he will lie. Un Dieu de vérité. But he's a God of truth. Un Dieu de vérité. He's a God of truth. Alléluia. Praise God. Ézéchiel 34. In the book of Ezekiel chapter 34. Verset 22. 22. À 24. To 24. Praise the Lord. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Amen. Dans ce chapitre. In this chapter. Il faut m'expliquer ça. Explain this to me. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici par là? What is really God saying Dieu over dit here? Quoi ici dans ce passage? What do God want to say over here? C'est une prophétie encore. It's a prophecy once again. Qui n'est pas encore accompli? That have not yet come to fulfillment. Dieu va dire qu'il va établir
un pasteur sur les brebis. He said he's going to nominate or establish only one pastor over his sheep. Qui sera leur serviteur David? That will be his servant David. Alléluia. Praise God. Et vous serez comme moi, je suis l'Éternel. And you people will know that I am the Lord. Ce verset-là, ça veut dire quoi? This verse, what does it mean? Avez-vous compris ce verset-là? Have you people understood this verse of the Bible? C'est profond. It's very deep. C'est profond. It's very deep. C'est une prophétie. It's a prophecy. C'est Dieu qui a donné cette prophétie. It's God Himself that gave this prophecy. Et le temps va venir. And the time will come. Il est déjà là. And now the time has arrived. C'est déjà arrivé. It has arrived. Mon frère. My brother. Faites attention. Be very careful. Faites attention. Be very careful. Alléluia. Praise God. Dieu ne ment pas. God do not lie. Il a dit, what he said, il va le faire. He will do it. Il va établir un seul pasteur. He's going to establish only one pastor. Est-ce que c'est déjà établi? Does it come to pass already? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le monde actuellement? The point in the world, is it coming to pass in the world now? Quel pasteur est déjà là qui gouverne tous les pasteurs du monde entier? Which pastor that God established now that he's covering all other pastors in the whole world? Ou bien quel pasteur qui paie les brebis du monde entier actuellement? Which pastor that is taking over or taking care of the sheep of God now in the world? C'est une prophétie de Dieu. It's a prophecy of God. Et ça va arriver. And it shall come to pass. You will see soon. Alléluia. Praise God. Agé 2. Haggai chapter 2. Verset 9. Verse 9. La gloire de cette dernière église, dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Là, Agé 2, verset 9. Haggai chapter 2, verses number 9. Amen. Et la dernière église, c'est où? The last church is where? C'est où? The glory of this latter house shall be greater than the former, said the Lord of hosts. And in this place I will give peace, said the Lord of hosts. Amen. Alleluia. Praise God. Quelle est la dernière église? C'est où? The last church. Where is it? Il dit, elle sera très grande. It says it's going to be very big. Dites-moi ça, c'est où? Where it is? Où est cette église là? Tell me, where is that church? Est-ce que c'est la Deep Life? Is it Deep Life? Ou bien quoi? Or what? Prouvez-moi ça. Prouvez-moi cela. Prove this one to me. Prouvez cela. You need to prove it unto me. Est-ce que c'est dans Deep Life? Is it in Deep Life? Praise the Lord. Hallelujah. Mes frères. My brothers. Mes soeurs. My sisters. Mes pasteurs. My pastors. Je vous supplie. I'm begging you up. Je vous supplie. I am begging you. I beseech you people. Cherchez la face de Dieu. Seek the face of God. Demandez Dieu. Ask God. Seigneur. Lord. Quelle est la dernière église qui va venir? What is the last church that is going to come? Et qui sera le prince qui va diriger cette église là? Who will be the prince that will lead that church? Jeûnez. Fast. Criez à Dieu. Cry unto God. Jésus. Jesus. Montre-nous. Show me. La dernière église qui va venir. The last church that will come. Et vous verrez. And you will see. Et vous verrez. And you will see. Alléluia. Praise God. Jean 10, verset 16. John chapter 10, verse 16. John chapter 10. On s'amuse. Verses number 16. We are joking. Nous s'amusons. We are joking. On blague avec Dieu. We are joking with God. On pense que nous sommes amis de Dieu. We think that we are friends with God. No. Dieu n'est pas notre ami. God is not our friend. Il est Dieu. He's God. Il est Dieu. He's God. Il est à craindre. He's a God that needs to be feared. Alléluia. Praise God. Il est à craindre. He's a God that needs to be feared. This God must be feared. We must fear him. Verset 16. John chapter 10, verse 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Un seul.
sale berger. Alléluia. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice. There shall be one fold, and there shall be one fold and one shepherd. Hallelujah. Hallelujah. One shepherd. Dieu dit qu'il a fait deux brebis encore. Bible, God said that he had other sheep again. Qui ne sont pas dans la bergerie. That are not yet in the fold. Il va les amener. He will bring them together into one fold. Il va établir sur elle un shepherd. And he's going to establish over them one shepherd, one pastor. Un seul troupeau. One shepherd, and they shall be one fold. Est-ce que vous savez où se trouve le troupeau là? Do you know where that shepherd is? Le troupeau là c'est où? Where is it? Et qui est le pasteur qui sera établi? This one fold of sheep. Do you know where it is? And this pastor, do you know where it is? Est-ce que vous savez cela? Do you know that? Non. No. C'est pourquoi vous faites show. That is why you people are just bragging up. Vous faites show. You are just bragging up. Alléluia. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Donc nous devons prier le Seigneur. We need to pray unto God. De nous aider. To help us. Qui nous aide. That may he help us. Qui nous aide. That may he help us. Dieu a beaucoup de choses à nous dire. God have a lot of things to tell us. Jean 16 verset 12. John chapter 16 verse 12. Jésus disait. Jesus said. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Plein de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that he shall speak, and he will show you things to come. Amen. Alléluia. Quelles sont ces choses-là? What are these things? Il a dit qu'il a beaucoup de choses. That you have a lot of things. Est-ce que tu connais ces choses? Do you know those things? Pastor, tu connais tout déjà? Do you know everything already? Tu te trompes. You are just deceiving yourself. Avec cette petite chose que tu connais. With this small thing that you know. Non, il y a de grandes choses. There are bigger things. Des choses cachées que tu ne connais pas. Hidden things that you don't know. Mais c'est Dieu qui va t'aider à te révéler cela. It's only God that will help you to notice it. Alléluia. Praise God. Donc nous devons faire attention. That is why we need to be patient and be very careful. Nous ne sommes pas perdus. Pour que notre âme ne soit pas perdue. That our soul will not perish. Jésus est amour. Jesus is love. Il veut nous sauver tous. He wants to save us all. Mais si on veut le combattre. If we want to fight against him. Si on veut le combattre. If we want to stand against him. Ce serait mal pour nous. It will be bitter for us. Très mal. Very, very dangerous and bitter Dieu for us. Tue les gens. Our God will kill people. Il tue les gens. He do kill. Deutéronome 32. In the book of Deuteronomy chapter 32. Dieu donne la vie, il tue aussi les gens. God gives life and do kill also. Alléluia. Praise God. Personne ne peut combattre Dieu. Nobody can fight God. Jamais. Never. Peu importe ta connaissance biblique. It doesn't matter the wisdom or the knowledge you have. Verset 39. Deutéronome 32:39. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Alléluia. Amen. See not that I, even I, am he, and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Amen. Amen. Notre Dieu fait vivre. Our God do bring alive. Et il tue encore les gens. And he do kill also.
Si tu ne fais pas attention, if you are not careful, si tu veux combattre Dieu, if you want to stand against God, tu peux faire tout ce que Dieu t'a demandé de faire. You can do everything that God asks of you to do. Mais si tu veux combattre Dieu, but if you want to rise against God, il va te détruire. He will destroy you. Il va te détruire. He will destroy you. Dieu, il est Dieu. God is God. Il ne blague pas. He doesn't joke. Il ne blague pas. He doesn't joke. Il a dit à Moïse. He said unto Moses. De parler au rocher. To speak unto the rock. Mais à cause de la colère. But because of anger. Du peuple. Of the people. Moïse a frappé le rocher. Moses hit the rock again. The second time. Deux fois. The second time. Mais Dieu a juré. But God vowed. Tu n'entreras pas dans le pays que j'ai juré donner. You will not enter into the land of Canaan that I've vowed unto your great grandfathers. Jamais. Never. Jamais. Never. Tu n'entreras pas. You will not enter. Moïse pense que c'est amusement. Moses think it's a joke. Moïse a commencé pas prier Dieu. And Moses began to pray unto God. Il priait Dieu. He was praying. Mais Dieu l'a dit. But God tell him. Mon frère. My brother, oublie l'affaire là. Forget about that. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu pardonne. He's asked forgiveness to God. Fais-moi voir le pays. Let me see that nation, that country. Dieu dit non. God say no. Parce qu'il a juré. Ah, because I've already vowed. Dieu a amusé là. It's not God that you need to take as a joke or play tell. Ah, je parle de Dieu. You don't joke with God. Si tu veux combattre son intérêt. If you want to stand against his interest. Eh, il va te tuer. He would kill you. Il va te tuer. He will kill you. Et Dieu l'a tué. And God killed Moses. Il n'est pas allé à la terre promise. He could not enter into the promised land. Mais pourtant. But in other hand. Dieu l'a fait grâce. God give him grace. Actuellement, il est au ciel. And today he's in heaven. Alléluia. Praise God. Donc si toi tu veux combattre Dieu. If for you want to fight against God. Tu dois faire attention. You need to be very careful. Celui que Dieu a choisi. He that God have chosen. Et toi tu es en train de te moquer de lui. And you are there and you are mocking at him. Tu dois faire attention. You need to be very careful. Josias. C'est un roi. Is a king. Qui n'a jamais paru dans son temps. Paru. Qui n'a jamais. Personne n'a jamais existé à son temps. And no one existed in time like him. Et ce Josias que Dieu a utilisé. And this Josias that God have used so much in his time. Il a détruit les idoles. He destroyed all the idols. Et Dieu a témoigné de lui. And God testified of him. Et c'est ce Josias là. It's unto this same person. Parce qu'il a appris. Because he have learned. Le jeune prophète. That this young prophet. Qui a prophétisé sa naissance. That. Qui a prophétisé sa naissance. Prophétisé. That prophesied his birth. Et Allah. Et mis au monde. And that because of that, they give birth to him. Et le vieux prophète a trompé son prophète. And this old prophet deceived this young one. Et il a été tué. And he was killed. Et c'est ce Joseph là. And this same Josias. Hallelujah. Praise God. Qui veut combattre Dieu? That want to stand against God. Hallelujah. Praise God. Il veut combattre Dieu. He want to stand against God. Il veut combattre Dieu. He want to stand against God. Dieu a envoyé, le pharaon, le roi, pour aller combattre un pays. God sent King Pharaoh, the King Pharaoh, to go and destroy a nation or to fight against a nation. Alléluia. 2 Chroniques 35, verset 20. 2 Chronicles. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Necho, roi d'Égypte, verset 20, monta pour combattre à Carchemish sur le Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Necho lui envoya des messagers pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Roi de Juda, ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit, demeure à terre, ne te pose pas à Dieu.
qu'il est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter la parole de Nécho qui venait de la bouche de l'Éternel. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut, il fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleuraient Josias. Alléluia! Praise God! Ce Josias, this Josias, sa naissance qui a été prophétisée, his birth was prophesied. Dieu l'a utilisé. God used when he came into il a préparé la maison de l'Éternel. He repaired or put together the house of God. Pharaon, un pécheur, a sinner, un marabout, a fetish, un charlatan, que Dieu a parlé, a fetish priest that God spoke unto, d'aller combattre un peuple, to go and fight against a nation. Mais avant cela, before then, il va passer d'abord chez dans la ville de Juda, chez Josias. Before then, he had to go pass to the nation of Israel, which means he will pass in the city of Judah. Alléluia. L'homme de Dieu, Josias, il sait que c'est le vieux prophète qui a trompé son prophète et on l'a tué, il sait. And Josias know that it's the old prophet that have deceived his prophet that they killed him. Il sait. He knew. Et il fait beaucoup attention. So from then he's much careful. Personne ne peut tromper. No one can deceive him anymore. Et comme il a appris que, as he have learned that, le roi Pharaon veut aller combattre, il va passer chez lui pour aller combattre. That Pharaoh Nécho or King Nécho will pass by him to go and fight that nation that God sent him to go and fight. Et donc Pharaoh lui dit que c'est Dieu qui l'a parlé pour aller combattre là-bas. As Pharaoh King Nécho, Pharaoh that time was telling him that it's God that sent me to go and fight this battle. Alléluia. Praise God. Mais Joseph, il sait que lui là, c'est un menteur, c'est un marabout, c'est un pécheur. Dieu ne peut pas lui parler, jamais. For Jesus is thinking that this man, this Pharaoh, is an honor worshipper. If these people are people that do not fear God, they don't worship God. So God cannot talk to this kind of or this caliber of people. Jamais. Never. Il limite Dieu. Il limite Dieu. Josias limited God. Il compte sur sa propre connaissance. And he's based on his own knowledge. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. That is what pastors are doing today. Il suffit pour eux-mêmes. And they think that by themselves they are enough. Non, on les suffit. Or as for by our own, we are enough. On est amis de Dieu. Oh, we are friends of God. Voilà. Et Josias là. And this Josias empêchait Nécho de passer. Stop Nécho from passing. Nécho a envoyé encore les messagers pour lui dire. And Nécho sent ambassadors to him. Le roi, king, ne viens pas à ma rencontre, s'il te plaît. Do not come and block us or come and face us. S'il te plaît. Please. C'est ton Dieu qui m'a parlé. It's your God that speak to me. Je ne mens pas. I'm not lying. Oh. Pourquoi tu t'opposes à moi? Why are you opposing against me? Jésus dit non. Jésus said no. Je ne veux pas voir de mes yeux. I will not see this with my eyes. C'est pas Dieu qui t'a envoyé. It's not God that sent you. Menteur. You are a liar. Un faux. You are a fake. Et Josias. And Josias. Au lieu qu'il cherche auprès de Dieu. Instead of requiring from the Lord. Au lieu de se retirer. Instead of him drawing back. Pour prier son Dieu. And pray unto God. Dieu, God, c'est toi qui as envoyé Nécho pour passer chez moi pour aller combattre. Are you the one that sent Nécho to go and fight this battle? Et Dieu va lui parler. And God will speak to him. Josias. Josias. C'est vrai. It's true. It's me, God. C'est moi
qui a parlé au roi. I'm the one that spoke to the king Nico. C'est moi qui l'ai parlé. I'm the one that spoke to him. Qui l'a dit de venir chez toi? To tell him to come unto you. Laisse-le aller. Leave him to go. Ne l'empêche pas. Do not block him. Mais Josiah n'a pas fait ça. But Josiah have not done such a thing. Il pense que il connaît tout. Ah, to his mind, he know all things. Qu'est-ce qui est arrivé après? What happened to him later on? Il est mort. He's dead. Il s'est déguisé. And the point, what happened is that he put on certain dresses, cover up himself with certain armor that they might not know that he's the one. Pour aller combattre le roi. For him to stand up and go and fight King Neco. Pour empêcher le plan de Dieu. To stop the plan of God. Quand il a fait. But when he have done that. Qu'est-ce qu'il a fait? What was his end? Il est mort. He's dead. Quiconque se porte devant Dieu. Anyone that stood against God. Tout pasteur. Any pastor. Tout enfant de Dieu. Any child of God. Tout serviteur de Dieu. Any servant of God. Qui combat Dieu. That stand against God. Qui combat Dieu. That do stand against God. Sa destination c'est l'enfer. His destination. Final destination. Final destination is hell. God Dieu will kill you. Tuer. God will kill you. Avec Dieu ne blague pas. With God, it's not a joke. Praise the Lord. Alléluia. Qui peut imaginer? Who can ever imagine? Que ce prophète, ce Josias. This Josias. Peut avoir cette mort terrible. Cette mort terrible. La mort. That can have this dangerous death, this terrible death. Qui peut croire en lui? Who can believe that? Dieu ne blague pas. God no joke. Gédéon. Gideon. Qui était dans le champ. That was in the farm. Dans le champ. He was in the farm. Et l'ange lui est apparu. And the angel of God appeared. Vaillant héros. Dieu l'a choisi. And this one that is a mighty man of valor, God chose him. Et ce Gideon qui a beaucoup détruit les idoles, plein d'idoles. And this Gideon that destroyed a lot of idols. Les idolâtres, il a détruit tout. He destroyed all these things. Mais finalement. Finally. Il s'est rentré encore dans l'idolâtrie. He finally entered back into idolatry. Dieu l'a tué, il est mort. God killed him and he's dead. Il va où? Where is he going? C'est l'enfer. It's hell. Dieu ne blague pas. God will not choose. Aujourd'hui, si tu es pasteur. And today, if you are a pastor. Et tu opposes à la volonté de Dieu. And you are opposed to the will of God. Tu te fais du mal. Or as for you, you are just cursing your own soul. Ce qui est arrivé à ces gens-là. What happened to these people? Ça va t'arriver. It will happen to you too. Je te supplie. I'm begging you. Pasteur. Fais attention. Be careful. Cherche la face de Dieu. Seek the face of God. Prie Dieu. Pray to God. Seigneur. Lord. C'est toi qui as envoyé Dufré Gabriel. Are you the one that sent Dufré Gabriel? Il va te parler. He will speak to you. Les gens ne connaissent pas même Dufré. People don't even know him. Les gens. Écoute-moi, les gens disent. People are just hearing what other people say. Plusieurs chrétiens, ils ne le connaissent pas. A lot of people do not even know this man of God. Il dit qu'il est mauvais. And they are just saying he's bad. C'est un faux. He's a fake man. Est-ce que tu le connais face à face? Do you know him face to face? Dieu m'a fait grâce. God gave me grace. Moi, quand j'ai appris de lui. When I've heard of him. Je l'ai cherché. I've seeked for him. Et pour la première fois. And by the first time. On s'est vu. And I met him. Un homme sage. A wise man. Ne juge pas. Ne juge pas les choses avant de prendre des décisions. Non. A wise man do not, judge the case before not taking decision. No. Mais un homme sage. A wise man. Il voit d'abord les faits. He go and look into what happened and how are the things. Avant de juger. Before that he cannot fairly judge. Les sensés jugent avant de voir les choses. And as for an insane person or a foolish person. Do check the case before look into the case. Ne sois pas insensé, s'il vous plaît. Do not be a foolish person, please. Ne sois pas insensé. Do not be a foolish person, please. Vous, les fidèles, quand vous trompez. You, the church members, when your pastors are lying to et you. Et vous suivez les pasteurs. And you are following your pastors. Sans voir la chose. Without not even looking at the things. Et vous gardez les autres dire. And you are just keeping what other people say to you. Si un jour. If one day. Si tu es arrivé à la connaissance de la vérité. And if you are come to meet the truth on the way.
Tu vas faire comment? What are you going to do? Que feras-tu? What will you do? Que feras-tu? What will you do? C'est trop tard. It will be too late for you. Mais je prie le Seigneur. But I pray unto the Lord. Tu ne vas pécher contre le Saint-Esprit. That you will not go to extend to sin against the Holy Spirit. Parce que c'est un péché impardonnable. Because sin against the Holy Spirit is a sin that can never be forgiven. Alléluia. Praise God. Matthieu 22. Matthew chapter 22. Verset 41. From verse 41 to 46. Alléluia. Praise God. Matthieu 22, 41 à 46. Matthieu 22, from verse 21, from verse 41 to 46. Alléluia. Quand les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Ah bon? Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Amen. Praise God. Et il dit, si donc David l'appelait Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa lui proposer des questions. Ils ont peur. And they were afraid. Ils ont peur. They were afraid. Répondez-moi. Answer unto me. Quelle est la dernière église qui va venir? What is the last church that will come? Quel est le pasteur que Dieu va établir? Wow, who is the pastor that God is going to establish? Répondez-moi à cela. Answer unto me this. Acte 2, verset 9. Répondez-moi. Acte chapter 2, verse 9. Quelle est la dernière église? What is the last church? Quelle est la gloire de la dernière église là? What is the glory of the latter church? Acte 2, verset 2 à 3. Isaiah chapter 2, verse 2 to 3. C'est où? Where it is? Montrez-moi cela. Show it to me. Montrez-moi cela. Show it to me. C'est où? Where it is? Moi je prie le Seigneur. Me, I pray God. Qui vous aide? That may he help you. De vous aider. To help you people. Pour que les écailles de vos yeux soient tombées. That the scars in your face to fall. Parce que si vos yeux sont remplis d'écailles. If your face, your eyes are full up with scars. Vous ne pouvez pas voir. You cannot see. Je prie Dieu. I pray God. Que les écailles soient tombées au nom de Jésus. That all the scars in your eyes to fall out in the name of Jesus. Et vous devez semer la reine dans la vie des membres. La reine. La haine. And you have planted hatred in the life of your members. Et vous avez semé de l'hypocrisie dans la vie des membres. And you have planted hypocrisy in the life of your members. Et tous les frères. And unto the life of other brothers. Tous mes frères. And other brothers. Avec qui je collaborais. And people that I was with before. Ils m'ont fui. And all of them ran away from me. Ils m'ont abandonné. And they abandoned me. Ils m'ont rejeté. And they rejected me. Parce qu'ils ont appris que. Because they've learned that. Quand ils viennent chez moi. When they come to me. L'esprit qui est à moi. The spirit that is in me. L'esprit d'apôtre Gabriel. The spirit of apôtre Gabriel. Va les ramener chez moi. That spirit to draw them to me. Alléluia. Praise God. Péché contre le Saint-Esprit. Péché against the Holy Spirit. C'est grave. It's very dangerous. Vous allez regretter après. One time or one day coming. Regretter. Really regret. Amèrement. Seriously regret. Mais je prie Dieu. But I pray to God. Que ça ne soit pas tout à coup vous. That this will not be too late for you. Jésus a encore les bras ouverts. Jesus has his arm open again. Si Dieu veut faire son programme. If God wants to do his program. Il va demander quelqu'un avant de le faire. Will he ask of someone before do it? Jamais. Never. Il est autonome. Dieu est autonome. As for God is almighty by himself. Il fait ce qu'il veut. He do what he like. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Praise God. Alléluia. Et quand vous êtes mort. As you are dead. Vous êtes mort. As you are dead. Vous êtes laissé tromper par les pasteurs. So you leave yourself to be deceived by pastors. Pourquoi? Why? Le dernier jour. The last day. Le pasteur n'est pas le dernier mot. Pastor do not have the last word. Ton pasteur n'a pas le dernier mot. Your pastor is not the one that have the last word. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot. It's Jesus that have the last word. C'est lui seul. He alone. C'est lui seul. He alone. C'est lui seul. He alone. Qui a le dernier mot. Have the last word. C'est pourquoi? That is why. Je vous dis que. I'm saying to you.
La lettre tue. Est, mais l'esprit by the spirit de Dieu of God vivifie. Do keep life. Alléluia. Praise God. Vous savez ce que Dieu est en train de faire, en train de programmer dans un pays? Do you know what God is putting into program in this country? Pour les âmes de Dieu. For the souls of God. Pour ses âmes. For his souls. Pour ce que le plan de Dieu pour ses âmes. Le plan de Dieu pour ses âmes. The plan of God for his souls. Vous ne savez pas cela? You don't know that. Si vous savez ça, if you know that, vous ne pouvez pas résister contre Dieu. You will not stand against God. Jamais. Never. Luke 24. Luke chapter 24. Verset 45. Well, Luke 24, 45. Luke 24, verset 45. Luke 24, verse 45. Alléluia. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Non, s'il vous plaît, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Then open he the understanding that they might understand the Scriptures. Jésus leur ouvrit l'esprit. God, our Jesus, opened up the spirit afin de comprendre les Écritures. For them to be able to understand the Scriptures. Pourquoi? Why? Parce que l'Écriture tue. Because the Scripture, the letter kill it. Je prie Dieu. I pray unto God for you. Quand Dieu vous aide. That may God help you. Qu'il vous aide à ouvrir votre esprit. That He will help you to open up your spirit. À comprendre. For you to be able to understand les Écritures. The Scriptures. Pour votre âme soit sauvée. For your soul to be saved. Sinon. If now. Si vous demeurez encore. If you still live in. La votre incrédulité. Live in your negativity or in your nonsense. Vous allez périr. One time will come, you perish. Dieu ne marche pas avec les incrédules. God do not walk with insane people. Dieu marche avec les sages. God walk with wise people. Il marche avec ceux qui ont la foi. God walk with people that have faith. Dieu n'aime pas les insensés. God not like insane or foolish people. Jamais. Never. Sans la foi. Without faith. Tu n'as aucune part chez Dieu. You don't have any place with God. Aucune part avec Dieu. You don't have any place with God. On se trompe. We are just deceiving ourselves. On a la foi. On a la foi. We have faith. Quelle foi tu as? Which faith do you have? Quelle foi tu as? Which faith do you have? Quelle foi as-tu? Which faith do you have? Et tu ne crois pas à ce que Dieu dit. And you don't believe in the thing God is telling you. Et tu crois à ta connaissance. And you are just having a faith in your things you know. Tu crois à ta connaissance. You just have faith in the things, the knowledge you have. Tu crois à tes diplômes. And you are just believing, having faith upon the, how do you call it, the certificates that you have. Voilà. Tu crois à ta théologie. And you're just believing on your theological teaching. J'ai mon doctorat en théologie. Oh, as for me, I'm a doctor. I have my doctor degree in theology. J'ai ma maîtrise. As for me, I have my PhD. J'ai mon master. As for me, I have my master's in theology. Je connais la Bible. I know Bible. Et vous vous trompez vous-même. And you are just lying and deceiving yourself. Pas des analyses des démons. And you are just analyse biblique des démons. Analyzing demonic things. Que Dieu a dit. Say God said. Dieu ne peut pas faire ça. Ah, God cannot do this thing. Que c'est écrit où? Ah, where is it written? C'est écrit où? Where is it written? Montrez-nous cela. Ah, show it to us. Montrez-moi cela. Show it to me. C'est écrit où? Where is it written? C'est écrit, mais tu ne connais pas cela. It's written, but you don't know it. Tu lis, mais tu ne comprends rien. You read it, but you don't see it. Alléluia. Praise God. C'est écrit. It is written. Lisez. Read the boy. Ezekiel 34. In the book of Ezekiel chapter 34. 22 à 24. From verse 22 to 24. C'est là-bas. That is where it is. Dites là-bas, vous devez voir ce que Dieu a dit là-bas. Read that place and you see what God put in place over there. Que Dieu vous aide. May God help you. Que Dieu vous aide. May God help you. 2 Corinthiens 3 verset 6. 2 Corinthiens chapter 3 verset 6. Alléluia. Dieu, il est Dieu. God is God. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. God is God and he does what pleases him. Alléluia. It's God. Il nous a rendu aussi capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. J'ai déjà dit ça. I told you people it already. La lettre tue. The letter killer. Mais l'esprit vivifie. By the Spirit give us life. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us.